Bonjour Christian. Tout d'abord, merci de nous recevoir dans votre bureau de Malkata. Depuis 25 ans, vous consacrez vos recherches à la restauration du Ramesséum. Pourquoi avoir choisi d'œuvrer sur le château de millions d'années de Ramsès II ? Alors, le Ramesséum, vous savez, c'est un monument qui est important puisque c'est quand même un site qui couvre aujourd'hui à peu près 10 hectares, c'est 10 hectares de recherche. Alors, pourquoi ce choix ? Écoutez, pendant très longtemps, j'avais déjà travaillé dans une nécropole royale, donc était la vallée des Reines, et c'était pour moi, en fait, un petit peu le changement d'une, finalement d'un programme de recherche. Hein, il faut évoluer dans la recherche, il faut rester focalisé sur des choses précises. Donc, moi, ce qui m'intéressait, là, c'était surtout de pouvoir reprendre un petit peu en main, à la fois, surtout essayer de redéfinir un petit peu ce qu'étaient ces fameux châteaux de millions d'années. Parce que vous savez que pendant très longtemps, on les a perçus un peu comme des temples funéraires. D'ailleurs, c'est un peu le vocable qui est encore celui-là, dans les ouvrages. On appelle ces monuments des temples funéraires. Or, je pense qu'il fallait reprendre un petit peu la véritable signification de ce que les anciens Égyptiens appelaient des châteaux de millions d'années, parce que ce n'est pas moi qui donne le nom, ce sont les anciens Égyptiens qui les appelaient comme ça. Donc, il s'agit de savoir si ces châteaux de millions d'années recouvraient vraiment une notion de temple funéraire ou si c'était tout à fait autre chose. Or, ce qui apparaît quand même à travers les études qui ont été menées jusqu'à présent, aussi bien sur l'architecture que sur l'iconographie, le programme iconographique de ces monuments, c'est que nous sommes beaucoup plus, si vous voulez, dans des monuments qui sont surtout là pour glorifier, en quelque sorte, la fonction royale. Donc, ce sont plus des temples, si vous voulez, qui sont en rapport avec le culte royal, en fait. Alors, un culte royal, non pas culte funéraire, c'est-à-dire qui aurait pris corps à la mort du roi, mais qui existait déjà de son vivant. C'est là où on voit que la notion de temple funéraire est un petit peu délicate à manier, parce que, en fait, ces monuments, dès leur création, si vous voulez, dès que le sanctuaire avait été construit, pouvaient déjà commencer à fonctionner, et à partir de là, des cultes pouvaient déjà, effectivement, être mis en place. Et ces cultes concernaient, bien sûr, le grand patron de Karnak, qui était, bien sûr, le dieu Amon, Amon-Ré, la triade thébaine, Amon-Ré, Mout et Ramsou. Mais il y avait là aussi un culte qui célébrait finalement le roi divinisé. Donc, voyez-vous, c'est déjà cet intérêt-là qui faisait que, au fond, la vocation de ces monuments n'était pas simplement une vocation funéraire, mais était beaucoup plus une vocation qui concernait l'institution royale, c'est-à-dire la fonction royale et en même temps la glorification du roi, en fait. Alors ça, c'est pour l'aspect cultuel, liturgique, si vous voulez, l'aspect des cultes qui étaient finalement engagés dans cette construction. Et puis à côté de cela, bien sûr, il y a tout un ensemble, si vous voulez, d'autres monuments qui entourent, si vous voulez, le temple proprement dit, c'est-à-dire finalement les dépendances du temple, qui là m'interpellait aussi parce que c'était une occasion de pouvoir essayer de mieux comprendre comment fonctionnaient ces fameux châteaux de millions d'années, et dans le cas du Ramesséum, à l'époque de Ramsès II, donc au XIIIe siècle avant notre ère. Donc, comme vous l'avez évoqué, le temple de Ramsès II, ce n'est pas que le château de millions d'années. Il y a de nombreuses dépendances, des écoles, des cuisines. Oui, parce que finalement, c'est un monument dans lequel il n'y avait pas que des cultes ou des liturgies. Il y avait aussi toute une vie sociale, économique, administrative. Et c'est là justement l'intérêt aussi de pouvoir étudier tous ces aspects et qui ne l'avaient pas été jusqu'à présent pour le cas du Ramesséum. Parce que, bien sûr, on voyait très bien autour du temple de pierre tous ces bâtiments en briques de terre crue que très souvent on présente comme des magasins, mais il n'y avait pas que des magasins. Il y avait aussi des ateliers, il y avait des cuisines, des boulangeries, des économas, il y avait un trésor, il y avait des officines où on préparait certains produits, finalement très souvent de grande qualité. Il y avait même une institution d'enseignement, puisqu'il y avait une école qui fonctionnait, ce qu'on appelle une maison de vie, en fait. Il y avait aussi des bureaux d'administration, et puis il y avait un palais royal. Donc il y avait tout cet ensemble, voyez-vous, de bâtiments qui entourent le temple lui-même, et qui permettait à ce temple aussi de pouvoir fonctionner, puisque sans cette vie socio-économique et culturelle, on n'aurait que le bâtiment de pierre, finalement, avec des prêtres. Or, il n'y avait pas que des prêtres qui étaient en exercice au Ramesséum, il y avait aussi tout un personnel civil, en quelque sorte, constitué de scribes, de directeurs des entrepôts, il y avait les celliers qu'il fallait gérer, il y avait tout un ensemble, voyez-vous, de bâtiments qui permettaient à ce temple de fonctionner,
Alors, à la fois, bien entendu, pour les cultes qui s'y déroulaient, parce qu'il fallait bien nourrir, satisfaire les divinités quotidiennement, hein, puisqu'il y avait quand même un bon nombre de divinités qui étaient aussi invitées à résider dans les lieux. Et puis, il y avait à côté de cela tout le personnel, bien entendu, qui était en poste, en fonction dans ce temple, qu'il fallait bien entendu aussi entretenir. Et puis, au-delà du temple, il y avait aussi tout le personnel des fonctionnaires royaux, qui finalement étaient au service de l'institution royale, et qui recevaient de cette institution royale, bien entendu, une rétribution régulière, puisque c'était une époque où on ne versait pas des salaires en monnaie, bien entendu, puisque la monnaie n'existait pas, mais en revanche, on versait des salaires en nature, c'est-à-dire des produits ou encore des rations alimentaires qui permettaient à ces familles de pouvoir vivre tout à fait décemment. Donc le Ramesséum était à la fois avec une vie intramuros, mais il y avait aussi une redistribution des richesses vers la population locale, et notamment celle des fonctionnaires qui étaient au service du roi, à savoir ces fonctionnaires qui notamment, très souvent, travaillaient sur des chantiers royaux dans la région thébaine, et même sur la rive gauche de Thèbes, puisqu'on savait qu'il y avait les nécropoles, les nécropoles royales, que ce soit la vallée des rois, la vallée des reines, où il y avait tout un ensemble de chantiers qui étaient à gérer, notamment de creusement et de décoration des tombes. Donc par exemple, la population de Deir el-Médineh, eh bien, se trouvait elle-même justement au service du roi et recevait en contrepartie du travail que menaient les artistes, les ouvriers, les artisans, eh bien, ces gens-là recevaient en contrepartie, si vous voulez, de leur travail, une rémunération qui était donc sous forme de produits qui venaient de ces fameux châteaux de millions d'années. Une partie de votre travail a été de faire réapparaître les fondations des monuments afin d'en avoir une lecture architecturale compréhensible. Vous avez, en quelque sorte, redessiné le plan du site. Oui, alors, le but, voyez-vous, des travaux qui sont faits en Messel, il y a deux types de travaux. Il y a les travaux de fouilles, de recherche, donc là on est vraiment dans une partie qui touche beaucoup plus l'égyptologie elle-même, et puis il y a tout un travail qui se fait, qui est un travail de restauration, de conservation, mais aussi de valorisation du site. Alors, il est vrai que le Ramesséum, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un monument qui a beaucoup souffert de démantèlement. Vous avez vu que certains murs, certains piliers, colonnes ont disparu. C'est-à-dire qu'à une époque, et notamment à l'époque ptolémaïque et romaine, on est venu chercher des matériaux au Ramesséum, c'est-à-dire qu'on a démonté tout un ensemble de murs, d'éléments architecturaux. Alors ces monuments, enfin tous ces blocs ont été récupérés, si vous voulez, à l'extérieur, donc pour la construction d'ailleurs de nouveaux monuments en fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le visiteur qui vient dans ce temple, il est un petit peu, si vous voulez, un peu perdu dans le sens où on n'arrive pas à retrouver un petit peu les différents espaces du temple, puisqu'il n'y avait plus jusque-là, si vous voulez, une véritable lisibilité de l'architecture. On passait d'un espace à un autre sans parfois vraiment comprendre comment dans l'Antiquité pouvait se présenter cet espace, ne serait-ce que les cours, ou les salles hypostyles, ou les bas-côtés, justement, de la grande salle hypostyle notamment. Alors le travail, il a été le suivant, c'est-à-dire qu'il a fallu déjà qu'on dresse un plan le plus complet du temple. Hein, puisque ça fait partie de l'étude architecturale, on étudie un monument, donc on l'étudie dans son ensemble. Donc il a fallu déjà faire un travail, si vous voulez, d'étude architecturale. Or, pour pouvoir dresser un plan architectural le plus précis possible, il fallait bien évidemment, pour les parties qui étaient démantelées, eh bien, retrouver les fondations. Donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle on a dû creuser, notamment à l'arrière du temple, dans toute la partie qui devait correspondre au sanctuaire et à ses chapelles latérales. Sur les bas-côtés sud et nord du temple, il a fallu faire la même chose, ce qui a permis de retrouver, bien entendu, ces fondations, et parfois aussi de faire des observations tout à fait précieuses sur la façon dont les anciens Égyptiens avaient construit ce monument. Hein. Donc toutes ces observations ont été consignées, feront l'objet d'une publication d'ailleurs par la suite, dans laquelle tout ceci sera bien sûr précisé. Alors une fois qu'on a retrouvé, si vous voulez, ce plan du temple, même si pour les parties disparues, il ne s'agit que de fondations, ce qui nous a paru intéressant, c'est de pouvoir, disons, faire réapparaître les parties disparues en élévation. Alors il ne s'agit pas, bien entendu, dans notre propos, de reconstruire le Ramesséum. Ce n'est pas du tout notre objectif. La seule chose, c'est de suggérer par, si vous voulez, la hauteur d'une ou deux assises, eh bien, les parties du temple qui sont disparues, afin de les faire réapparaître à l'œil et afin de donner une meilleure lisibilité de cette architecture.
Alors c'est le travail qui est conduit depuis maintenant un certain nombre d'années, qui fait appel bien entendu à des architectes, qui fait appel à des tailleurs de pierre, et qui permet petit à petit de reconstituer les murs, les salles, donc les cours parfois qui ont disparu, les éléments de l'architecture comme des bases de colonnes, etc. qui ont disparu, et ce qui permet pour le visiteur aujourd'hui d'avoir une meilleure lecture, si vous voulez, de ce monument. Alors c'est un travail qui est engagé, qui va prendre encore des années, parce que c'est un travail très long à faire, et puis qui doit être surtout supervisé par l'architecte du chantier. Christian, vous avez reconstitué la statue de la reine Touya. Pensez-vous redresser ou déplacer le colosse de Ramsès II ? Alors le problème des statues colossales du Ramesséum est un très gros problème parce que, vous savez, elles n'avaient jamais été vraiment étudiées en fait. Bon, il est vrai que au tout début du XXe siècle, disons dans les années 1900-1901, Howard Carter, qui était à l'époque d'ailleurs inspecteur en chef des antiquités à Luxor, avait fait tout un travail de nettoyage du Ramesséum, et notamment dans la première cour. Et c'est là qu'il avait rencontré un petit peu tous ces fragments, finalement, débités du grand colosse de Ramsès II. Et c'est lui, d'ailleurs, qui avait vu qu'il devait exister à une autre statue, puisqu'il avait retrouvé déjà quelques fragments qui pouvaient appartenir à une statue de femme, notamment. Alors c'est vrai que c'est en reprenant la description qui avait été faite par Diodore de Sicile au 1er siècle avant notre ère. Diodore de Sicile, cet historien grec qui était venu en Égypte, qui avait parcouru justement le Ramesséum, auquel il donne d'ailleurs le nom de tombeau d'Ozymandias. Et Diodore, dans la description qu'il nous a laissée de ce tombeau d'Ozymandias, nous dit bien que dans la première cour, il y avait deux statues monumentales. L'une d'Ozymandias, c'est-à-dire Ouzermatré, qui était le nom de couronnement de Ramsès II, et une autre qui était une statue appartenant à sa mère. Alors il a fallu, au cours d'une enquête qu'on a menée pendant un certain nombre de saisons de fouilles, déjà essayer de départager un petit peu tous les fragments qui se trouvaient éparpillés dans la première cour du Ramesséum, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y avait à peu près 600-700 fragments de granit donc qui jonchaient le sol. Donc il a fallu déjà voir ceux qui pouvaient appartenir au colosse de Ramsès II et ceux qui appartenaient au colosse de Touy, donc de cette mère de Ramsès II, donc qui était la grande épouse royale de Séti Ier. Voilà. Alors, une fois que l'on a pu faire la distinction entre ces deux colosses, il a fallu ensuite essayer de comprendre, finalement, pourquoi ces deux colosses, d'abord, avaient été détruits de cette façon. On a souvent parlé d'un tremblement de terre, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été données, et on s'est rendu compte, finalement, petit à petit, en faisant venir sur place aussi bien des sismologues, des géologues, des géophysiciens, donc on a quand même tout un personnel de compétences qui a pu travailler aussi avec nous sur le site, et qui a pu apporter, en fonction de ses compétences, justement, une interprétation de ce qui avait pu se passer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, finalement, ces statues avaient plutôt été abattues par des hommes, c'est-à-dire que c'est une destruction humaine, en fin de compte. Alors après ça, il faut essayer de la replacer, cette destruction, dans un cadre historique, à quel moment de l'histoire du Ramesséum les statues ont été détruites. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même assez en accord avec une période qui est quand même proche des premiers siècles de notre ère, un moment où justement le paganisme fait que finalement le combat contre le paganisme fait qu'on va s'attaquer, si vous voulez, aux monuments pharaoniques à travers des martelages et puis aussi les destructions de statues. Alors, en tout cas, aujourd'hui, on a deux statues, évidemment, qu'on a pu identifier, celle de Ramsès II, celle de Touy sa mère. Il s'agissait de savoir ce qu'on allait en faire. Alors évidemment, à partir du moment où elles étaient quand même très abîmées, très détruites, il a fallu essayer de voir avec Touy déjà ce qu'on pouvait essayer de reconstituer de Touy. Et là, c'est vrai que plutôt que de laisser ces morceaux s'abîmer, se détruire au sol, eh bien, c'était l'occasion de pouvoir les remonter et puis redonner une certaine dignité, finalement, à ce qu'avait été la mère de Ramsès II. C'est ce qui a conduit, finalement, au résultat que nous avons aujourd'hui. Et ça a été mené aussi grâce à un mécénat privé, celui de Mme Brigitte Guichard, qui nous a beaucoup aidé justement pour cette opération et qui a permis d'aboutir au résultat que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a remonté pratiquement la statue de Touy. Alors, bien entendu, pas complètement, puisque certains éléments, notamment la tête et une partie de la perruque, ont disparu. Mais ceci dit, on a là quand même, si vous voulez, remonté quand même ce qui restait de ce monument. Pour Ramsès II, c'est beaucoup plus compliqué parce que, imaginez de remonter le colosse de Ramsès II, il y a des problèmes parce que déjà la base, le socle sur lequel était cette statue est en mauvais état, elle est très fracturée cette base. Alors on a fait des confortements bien entendu, puisque là j'ai fait venir un ingénieur des ponts et chaussées en France qui a pu travailler, qui a pu conforter si vous voulez par des ancrages finalement cette base.
Mais je pense qu'elle ne pourrait plus de toute façon supporter aujourd'hui un colosse qui faisait quand même près de 1000 tonnes, de 18 mètres de haut. Et donc là, on est obligé d'aller vers une autre solution pour voir comment on peut valoriser finalement l'espace où se trouvait cette statue. Alors c'est vrai que dans l'état actuel de la question, je pense qu'il serait peut-être bon, parce que là aussi, vous savez, il y a tout un... Il faut savoir que ce colosse au sol, il a été dessiné à travers le temps. On a de très belles lithographies de David Roberts. On sait très bien qu'en plus de ça, même les littéraires s'y sont mis, puisque Chenet lui-même en a fait un très beau sonnet qui demeure célèbre, Ozymandias. Hein. Donc je veux dire que c'est toujours délicat de vouloir toucher, si vous voulez, à des monuments qui sont inscrits dans une histoire à travers le temps, et les toucher, c'est aussi finalement porter atteinte très souvent au monument, dans le sens, si vous voulez, où c'est une partie de l'histoire de ce monument. Hein, voilà. Donc là, je ne pense pas qu'on pourra remonter le colosse de Ramsès II, mais je pense qu'en revanche, on pourrait peut-être légèrement le déplacer vers le sud, dans la position qu'il a aujourd'hui au sol. Il n'est pas question de changer la position qu'il a au sol, mais simplement de le déplacer légèrement vers le sud, ce qui permettrait finalement de libérer le passage axial, qui permettrait aux visiteurs de pouvoir passer de la première cour vers la deuxième cour par l'escalier d'origine qui avait été aménagé à l'époque pharaonique. Donc c'est un petit peu ça le projet. Il doit être soumis, bien entendu, aux autorités égyptiennes pour savoir si elles seraient d'accord, bien entendu, pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Et avant cela, d'ailleurs, de toute façon, il faut bien évidemment quand même savoir qu'on va devoir examiner le colosse lui-même pour voir un petit peu toutes ses faiblesses, un petit peu, parce qu'il y a quand même des petites fissures, des fractures. Donc on ne pourra pas bouger le colosse tant que cette étude, déjà, de faisabilité du projet soit assurée. Hier, au Ramesséum, vous nous avez parlé du programme de restauration de cette session de fouilles. Reconstruction du mur en briques crues à droite du second pylône et travaux sur le palais royal. Oui, alors vous savez, généralement, comment les programmes de mission s'enchaînent les uns après les autres. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais terminé à la fin d'une mission un programme, très souvent, qui est beaucoup plus important qu'on ne le pensait. Donc là, cette année, l'année dernière, nous avons, l'année d'avant même, nous avions terminé la fouille du palais royal. L'année dernière, on a commencé, disons, à faire déjà un petit peu la restitution de ce palais royal en élévation. Et là, cette année, le but, si vous voulez, est de pouvoir terminer la restauration de ce palais royal. C'est-à-dire surtout de pouvoir reconstituer sa façade. Donc une façade qui était en pierre, puisqu'il s'agissait finalement du mur sud qui fermait la première cour du temple. Donc là, dès le début de cette mission, le programme est tout arrasé, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir reconstituer ce mur de façade. Alors bien entendu, là non pas sur une très grande élévation, peut-être sur l'équivalent de un ou deux blocs, si vous voulez, mais au moins retracer toute cette façade pour qu'on comprenne bien que ce palais royal était attenant finalement à ce mur sud. Et alors on va surtout essayer quand même de faire réapparaître surtout la fameuse fenêtre, si vous voulez, qu'on appelle la fenêtre d'apparition, c'est-à-dire là où le roi pouvait parfois se présenter au public qui venait dans la première cour du temple, et au moment de certaines cérémonies. Je pense notamment, par exemple, lorsqu'il y avait la remise des récompenses, vous savez que lorsque le roi était de passage à Thèbes, qu'il souhaitait venir visiter son château de millions d'années, qu'il venait donner audience, puisque c'est un palais de fonction, donc je veux dire que là, dans ce palais, il venait de temps en temps, Ramsès II, il avait une salle qui était la salle du trône, où prenait place son siège, où il recevait des dignitaires, des fonctionnaires, où il pouvait aussi, bien entendu, ordonner les fêtes qui devaient se dérouler dans l'enceinte de son temple. Donc, à l'occasion souvent de ces passages, eh bien, c'était aussi pour lui un moyen de pouvoir remettre à ses fonctionnaires les plus méritants, eh bien, les fameuses récompenses que le roi donnait. Bon, alors, ces récompenses, très souvent, c'était des colliers d'or, d'argent, d'électrum, des coupes aussi, vous savez, de très beaux récipients dans des métaux précieux. Alors, très souvent, le roi recevait donc ce personnel dans la première cour, et lui apparaissait depuis son palais à la fameuse fenêtre d'apparition. Et c'est de là qu'il allait jeter ses colliers d'or, d'argent, etc. Donc, voyez-vous, c'était un monument surtout fonctionnel, enfin, qui était surtout fonctionnel, qui n'était pas un palais d'habitation, mais où Ramsès, quand même, venait de temps à autre. Donc ça fait partie, voyez-vous, du programme de travail de cette année. Donc là, on est plus dans un travail qui sera un travail de restauration pour compléter, finalement, la mise en valeur du palais royal.
Il y a un autre chantier qui va continuer aussi, c'est celui des ateliers, puisqu'on a dégagé depuis un certain nombre d'années les ateliers du temple. Et là, c'est un travail qui va aussi reprendre durant cette mission. Dans la première cour, on va aussi nettoyer, justement, là, donc c'est une fouille archéologique qui sera menée du côté du colosse de Ramsès II pour pouvoir dégager un petit peu tout l'escalier central qui menait vers la deuxième cour. Parce que là, il y a eu beaucoup d'effondrements qui se sont produits lorsque la porte d'accès à la deuxième cour s'est effondrée. Il y a beaucoup de blocs qui sont tombés, et là, tous ces blocs-là, il faut essayer de les identifier, etc. Donc là, c'est un travail de fouille archéologique et d'identification qui va se faire également pendant cette mission. Et puis, il y a aussi, bien entendu, côté nord, de retrouver un petit peu toutes les structures qui sont en rapport avec le mur correspondant au deuxième pylône du temple, afin de retracer le prolongement de ce mur, si vous voulez, vers le nord, afin qu'il retrouve le mur des magasins. Donc là, il y a tout un travail qui va être fait, et un travail aussi d'ailleurs de fouille, et petit à petit, qui sera un travail de reconstitution, finalement, des éléments de l'architecture de ce quartier. Et puis alors, un peu plus vers l'ouest, toujours dans le côté nord du temple, il y a une fouille qui est également entreprise concernant le temple de Touhi et de Néfertari, donc un monument qui était attaché finalement au Ramesséum, qui jouxtait la grande salle hypostyle côté nord. Et sur ce temple, donc il y a une équipe qui travaille aujourd'hui et qui est en train surtout de dégager une sépulture, puisque vous savez que le Ramesséum a été aussi réoccupé après l'abandon des cultes et donc à partir de la troisième période intermédiaire. C'est un site qui est devenu une vaste nécropole sacerdotale. Donc on a des dizaines et des dizaines de tombes qui sont placées un petit peu partout, aussi bien dans le temple proprement dit que dans les dépendances du temple. Donc ces tombes, il faut aussi les explorer, voir qui a été enterré là, à quel moment. Et là, justement, dans le cadre de du temple de Touhi et de Néfertari, eh bien, il y a plusieurs tombes qui ont été, disons, identifiées, dont l'une est celle de la divine adoratrice Karomama de la 22e dynastie. Donc actuellement, on est en train de vider le caveau pour voir si elle nous livre d'autres vestiges que toutes ces petites figurines funéraires qu'elle avait déjà fournies l'année dernière et qui étaient à son nom. Donc des fameux Shawapti au nom de Karomama, divine adoratrice d'avant, durant la 22e dynastie. Donc voilà, ce sont ces différents chantiers, voyez-vous, qui vont reprendre cette année dans le cadre du temple. Et puis bien entendu, il y a aussi un autre chantier encore important aussi qui aura lieu, alors cette fois-ci dans la Vallée des Rois, qui est la tombe de Ramsès II, puisqu'on travaille aussi dans la tombe de Ramsès II. Et là, c'est plutôt des travaux que l'on prépare pour le confortement de la tombe de Ramsès II. Christian, pouvez-vous nous parler de l'association pour la sauvegarde du Ramesséum, créée en 1989 ? Oui, alors l'association pour la sauvegarde du Ramesséum est une structure très importante parce que vous savez que depuis quand même déjà un certain nombre d'années, nos institutions finalement françaises, mais je ne pense pas que ce soit uniquement d'ailleurs la France qui soit concernée, mais ont du mal à comment pouvoir assumer, si vous voulez, les financements des missions archéologiques à l'étranger. Alors il faut savoir aussi que pendant très longtemps, les équipes archéologiques qui venaient, celles du CNRS ou d'autres institutions, de musées, etc., qui voulaient travailler en Égypte, faisaient surtout avant tout des fouilles archéologiques. Bon. Mais il faut savoir aussi que les Égyptiens, aujourd'hui, et je pense qu'ils avaient tout à fait raison de faire ce choix, considèrent que quand on travaille sur un site archéologique, on doit aussi prendre en charge à la fois sa restauration, sa conservation et sa valorisation. Ce qui veut dire que là, ce sont des facettes complémentaires, si vous voulez, qui, il faut bien le reconnaître, n'étaient pas prises en considération auparavant. Alors aujourd'hui, le fait de devoir ajouter aux travaux purement scientifiques, archéologiques, si vous voulez, ces facettes-là, ça veut dire qu'il faut avoir des moyens supplémentaires, des moyens financiers supplémentaires. Alors c'est vrai que nos institutions, encore, si elles pouvaient financer les recherches archéologiques, les publications de ces recherches, en revanche, elles considéraient que c'était du ressort du pays d'accueil, finalement, à s'occuper des travaux de restauration, etc. Or, ce n'est pas le cas. Il faut quand même savoir que l'Égypte ne peut pas tout faire, elle n'a pas non plus les moyens de tout faire, elle a un tel patrimoine que là, elle est bien obligée de faire appel aussi à une aide extérieure. Donc, il s'agit de savoir comment on peut financer ces travaux supplémentaires, c'est-à-dire tous ceux qui touchent la restauration, la valorisation, la conservation des sites. Et c'est là où je pensais que, évidemment, la création d'une structure telle que l'Association pour la sauvegarde du Ramesséum pouvait répondre à cette demande, et elle répond à cette demande, puisque aujourd'hui, grâce à cette association, eh bien, nous pouvons mener ces actions à la fois de restauration, de conservation, de valorisation, et en même temps apporter aussi une aide à la fouille archéologique. Donc là, je pense que finalement, les buts sont atteints, et il faut espérer que ça puisse continuer le plus longtemps possible. Et je vous dirais franchement, d'ailleurs, que quand on regarde bien dans le paysage archéologique de Louxor aujourd'hui,
eh bien, la plupart des missions archéologiques françaises ou étrangères qui travaillent grâce très souvent à des structures privées, parce qu'il est clair que nos États n'ont plus vraiment les moyens de pouvoir subvenir à la recherche archéologique à l'étranger. Christian, votre avis sur la carte sécuritaire de l'Égypte mise en ligne par le ministère des Affaires étrangères française? Bah écoutez, cette carte géographique, oui, une carte de risque en fin de compte, je pense qu'elle est assez excessive pour la période actuelle quand même, parce qu'il faut quand même reconnaître une chose au gouvernement égyptien d'aujourd'hui, c'est qu'il s'est donné vraiment les moyens de pouvoir mettre en place une véritable sécurité quand même des sites archéologiques. Donc je crois que là, il y a peut-être un excès du côté de notre ministère français des Affaires étrangères de vouloir absolument laisser ces couleurs qui sont des couleurs qui font peur. En fait. Donc là, il n'y a pas très longtemps, une grande délégation qui est venue de France justement pour essayer de faire le point de la situation en Égypte. Et je crois que nous sommes tous à peu près du même avis pour dire qu'il faut quand même que les Français et les Européens, d'une manière plus générale, reviennent en Égypte, parce que je pense que les conditions à la fois d'accueil et de sécurité semblent quand même aujourd'hui tout à fait respectées. Alors bien sûr, la menace, le risque d'un attentat n'est pas exclu, mais enfin, vous savez, quand on voit ce qui s'est passé en France l'année dernière et ce qui se passe dans d'autres pays, je veux dire qu'on ne peut pas non plus rester focalisé sur cette espèce de possibilité, bien entendu. Je pense que l'essentiel, c'est bien entendu de rester vigilant, mais le fait de savoir quand même que le pays, l'Égypte, le pays d'accueil, a fait de très très gros efforts pour que justement tous les voyageurs qui vont passer par ce pays puissent s'y trouver dans une manière de sécurité tout à fait claire, je crois qu'on devrait changer un petit peu les couleurs de cette carte finalement mise en place par les affaires étrangères et montrer qu'il y a quand même toute une partie de l'Égypte qui est tout à fait sans risque. Alors c'est vrai qu'il n'est pas recommandé aux touristes ou aux voyageurs d'aller dans le Sinaï aujourd'hui, mais ça je pense que l'État égyptien l'a dit aussi clairement, il y a des zones qui sont fermées, hein. On ne peut pas aujourd'hui aller dans certaines oasis comme l'oasis de Siwa parce qu'on n'est pas très loin de la frontière libyenne, donc tout ça est pris en considération, mais concernant la vallée du Nil elle-même, c'est-à-dire depuis le Caire jusqu'à Assouan, je pense que là on est quand même dans des zones qui sont sans grand risque. Merci beaucoup Monsieur Christian Legrand. Moi c'est clair. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. En fait. C'est ça.